et qui mine nos continents, surtout notre continent africain. Et donc, ce soir, nous allons parler d'un thème, nous allons aborder un thème très, très important. Et vous n'ignorez pas que nous venons de célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars passé. Et donc, c'est toujours en marge de cette célébration que nous avons voulu tenir ce débat autour du thème « La place de la lecture » en ce qui concerne l'autonomisation de la femme. Donc, l'éradication de la pauvreté, la valorisation des atouts et de la gente féminine, une croissance économique inclusive dans nos pays peuvent-elles passer par le livre, les avis divers et puis les conceptions varient. Pour le reste, les enjeux sont de taille pour la jeune génération. Qu'est-ce qu'un livre pour changer de tel paradigme? Ce qui nous amène à parler ce soir dans cette troisième Muna Kalati Talk de la place du livre dans l'autonomisation de la femme. Soyez tous une fois encore les bienvenus, chers internautes, chers panélistes. Donc, pour en parler ce soir, nous recevons pour vous Madame Hamdiyath Katirika. Nous avons ce soir, il faut dire que ce soir, nous avons sur le plateau des femmes leaders ainsi qu'un jeune leader. Ils sont tous des Mandela Washington Fellows, des leaders. Et donc, nous sommes honorés par leur présence. Et Madame Randia Kachika, bonsoir. Bonsoir. Ah, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Vous êtes Mandela Washington Fellow, et vous êtes entrepreneuse, blogueuse et aussi et surtout la fondatrice de l'association Empowered Lady. Merci d'être à nos côtés. Je vous en prie. De l'autre côté, nous avons aussi une grande dame. Elle est passionnée de l'éducation. Et puis, elle est aussi la présidente de l'association Be a Blessing, qui contribue surtout à l'autonomisation des femmes et à la promotion de l'éducation des enfants. Et elle a aussi une bibliothèque appelée Bibliothèque Céline, ainsi que l'espace Ma Liberté, par lequel elle passe pour faciliter le co-working des jeunes. Merci d'être à nos côtés, Madame Kifayath Mourou. Bonsoir. Merci pour l'invitation, Delali, et j'espère que nous allons passer un bel après-midi. Je suis tout à fait honorée de cette invitation. Merci beaucoup d'être des nôtres. Et sur le plateau ce soir, nous avons un homme qui est très passionné aussi de l'éducation. Il s'appelle Monsieur Aboti Kodjo Maoulom. Il est psychologue et linguiste. Il a travaillé plusieurs années comme interprète et secrétaire général et formateur des bénévoles en langue française et coach des jeunes au sein de l'ONG internationale Youth Fellowship Cameroun. Monsieur Aboti, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue, nous sommes honorés par votre présence. Merci, j'ai été aussi honoré pour être invité à vous joindre à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous y êtes et nous y sommes. C'est encore parti pour ce troisième Muna Kalati Talk. Nous parlerons ce soir, bien sûr, comme vous le savez déjà, de la place de la lecture dans la promotion de l'autonomisation de la femme. Vous n'ignorez pas que la thématique de cette année pour la célébration de la fête de la femme, de la Journée internationale, portait sur l'autonomisation de la femme. Tout à fait. Et surtout, c'était de voir l'égalité de sexe dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes naturelles. Mais on se demande, avoir cette thématique, est-ce que nous, les femmes, nous sommes vraiment prêtes à relever ces défis de l'heure en lien avec le changement climatique et bien sûr avec aussi les risques de catastrophes naturelles? Et donc, ce soir, il est donc important qu'on y pense, qu'on y parle et que surtout, on y trouve des solutions, surtout dû au fait qu'au Togo, ici, les femmes représentent plus de 50% de la population et c'est d'ailleurs la population active. Il est donc normal qu'on y pense. Et donc, chers panélistes, soyez tous les bienvenus, chers internautes. Nous sommes honorés par votre présence. Je crois que vous serez des nôtres jusqu'à la fin. N'hésitez pas de partager vos réflexions, vos questions dans le chat. Nos panélistes feront le plaisir de répondre à toutes les questions. Vous aurez bien sûr aussi la parole pour faire vos apports et vos suggestions. Soyez tous encore les bienvenus. Je me tourne donc vers les grandes dames sur le plateau. Celles qui se couchent et se réveillent dans les livres. Mais parlez-nous un peu de vos initiatives, Madame Hamdiya. Comment se porte l'association Empowered Ladies au Togo? L'association Empowered Ladies se porte bien. Oui. Et je vais peut-être aller de cette façon. Par exemple, le but de l'association même, c'est la promotion. C'est de contribuer à l'épanouissement socio-économique de la jeune fille togolaise en milieu rural, plus précisément. Et donc, notre cible, c'est les adolescentes. Et nous travaillons beaucoup plus sur la précarité menstruelle. Mais la question du livre vient au moment où, pour que les filles acquièrent beaucoup de connaissances, elles sont obligées de passer par les livres. Et voilà, nous connaissons le pouvoir des livres, les bienfaits des livres. Jusque-là, je ne connais pas encore les méfaits des livres, mais j'en connais plein de bienfaits. Et on ne peut pas parler de l'épanouissement de la jeune fille sans passer par l'éducation. Étant donné que la lecture fait partie intégrante de l'éducation, c'est primordial que nous ayons accepté, que nous acceptons de participer à cette talk pour, une fois encore, faire la promotion des livres et aussi montrer comment les livres ont un pouvoir assez fort dans le processus de l'autonomisation de la jeune fille et surtout dans le processus de l'éducation de la jeune fille. Voilà, merci beaucoup. Mais d'entrée de jeu, pouvez-vous nous dire plus encore, Madame sur ce que vous entendez par l'autonomisation de la femme, de la jeune fille? L'autonomisation. Pardon? Selon vous, c'est quoi l'autonomisation? On en parle, on continue pas à en parler, mais de quoi il s'agit réellement? Quand nous parlons d'autonomisation, de l'autonomisation de la femme, il s'agit de quoi? Dans un premier temps, je dirais que l'autonomisation a tendance à être beaucoup plus focus sur l'économie. Parce que quand on parle de l'autonomisation, on ne peut pas parler de l'autonomisation sans parler de l'autonomisation financière. Voilà, c'est le mot qui suit juste après l'autonomisation. Et on en est arrivé là parce que les études ont montré que beaucoup de femmes ont des difficultés à gérer leur fonds ou leur argent ou leur business. Et c'est compliqué en fait, donc on en est arrivé là à faire la promotion de l'autonomisation. Mais pour une définition assez fixe, on peut définir l'autonomisation des femmes comme un processus par le biais duquel la vie des femmes est transformée d'une situation dans laquelle elles ont des pouvoirs limités en raison des obstacles liés aux inégalités, c'est-à-dire la discrimination entre femmes et hommes, et à une situation dans laquelle elle dispose des mêmes pouvoirs que les hommes. C'est de ça que je parlais au début en disant que tout est parti d'un constat dans lequel les femmes peinent à à gérer elles-mêmes leur business, à gérer elles-mêmes leurs revenus financiers. Et pour pallier à ce problème, il a fallu qu'elles reçoivent une éducation financière, ce qui va leur permettre elles-mêmes de pouvoir gérer, de pouvoir travailler elles-mêmes. Parce qu'il y en a qui ont, par exemple, une éducation assez élevée, qui savent bien ce qu'elles font, mais côté argent, c'est compliqué. Du coup, elles demandent à leur mari ou à leur conjoint de gérer l'argent pour elles. Et dans la plupart du temps, dans la plupart des situations, il se trouve que ces hommes finissent par bouffer l'argent et que c'est un peu comme la femme, elles ont travaillé vainement. Et donc, il est important que les femmes puissent savoir créer et gérer leurs sources de revenus elles-mêmes. Voilà. Merci beaucoup pour ces détails et précisions. Et je me tourne en pressant vers Madame Kifayath Mourou. Je crois que vous allez super bien. Et comment se porte l'association à votre niveau, au niveau de la bibliothèque Kelly? Comment avancent les activités? Ok, merci beaucoup Delali. La bibliothèque va bien, l'association Be a Blessing également se porte à merveille. Et en termes d'actualité par rapport à l'association, nous avons présentement un concours que nous sommes en train de faire, un concours d'épellation dénommé Écho des Lettres. Vous pouvez voir. Toutes les informations sont disponibles sur les différents réseaux sociaux Écho des Lettres. C'est un concours que nous avons initié justement parce que le niveau baisse, les enfants ne sont pas forcément intéressés par la lecture malgré les livres que nous rendons accessibles. Donc, ce concours d'épellation a pour objectif au bout du compte de les amener à lire beaucoup, pour connaître les mots. Nous sommes à la phase éliminatoire qui... en avril, et la grande finale aura lieu le 18 mai. Donc, commencez à noter dans vos agendas que vous serez avec nous. Vraiment, félicitations pour vos initiatives. Vous travaillez aussi beaucoup sur l'autonomisation des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus quand nous parlons d'autonomisation des femmes? En parlons-nous réellement? De quoi s'agit-il? Est-ce de faire des femmes, rendre les femmes capables, autonomes, ou bien s'assurer de l'égalité des sexes, faire de sorte à ce que les femmes soient égales aux hommes? S'agit-il de ce débat-là? De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Moi, quand je pense à autonomisation, je pense à capacité. Et surtout, je pense aussi à un autre verbe qui est le pouvoir. Voilà. Et sous la forme du oui, du mot plutôt, le pouvoir. Et en anglais, on dit empowerment. Quand on parle de autonomisation, empowerment, et je trouve que empowerment même traduit mieux ce que ça veut dire que l'autonomisation en français. Parfois, les traductions ne sont pas forcément les meilleures. Donc, l'autonomisation a deux aspects, à mon avis. Il y a l'autonomisation politique et l'autonomisation économique. Et à l'association Be a Blessing, nous sommes convaincus que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas donner l'autonomisation politique à la femme et espérer qu'elle puisse l'exercer si elle n'a pas l'autonomie financière ou bien économique qui doit accompagner. Je m'explique. À une femme qu'on dit que tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux exercer tel pouvoir, faire ceci, mais quand elle n'a pas l'argent et qu'elle a pour voyeur quelqu'un d'autre, tu restes esclave en quelque sorte, bien guillemets, de cette personne-là. Donc, c'est important de donner, je trouve que la base, c'est l'autonomisation économique. Et à l'association Be a Blessing, ce que nous faisons en ce sens-là, c'est l'espace Ma Liberté, qui est un projet d'incubateur pour les femmes, ou mieux, un espace coworking où les femmes peuvent venir travailler ensemble, surtout les femmes couturières qui n'ont pas les moyens d'ouvrir un atelier ou bien qui n'ont pas les moyens de travailler décemment. Donc, nous avons équipé cet espace pour leur permettre de venir travailler, gagner de l'argent, apprendre à épargner l'argent et prendre soin de leur famille. Et à partir de là, elles peuvent demander à exercer, mais elles auront le temps de réclamer leurs droits. Si elles s'assurent de quoi manger à elles et à leur progéniture, et si elles également s'assurent un toit, elles peuvent penser maintenant à réclamer le droit de siéger à l'Assemblée nationale, des trucs comme ça. Sinon, on ne peut pas siéger à l'Assemblée nationale quand on a le ventre, on est affamé, donc voilà. Tout à fait, merci beaucoup. C'est riche. Je vous informe qu'avant qu'on en vienne au débat de ce jour, ça a été vraiment houleux, les échanges en arrière-plan, parce qu'on dirait que cette thématique, ça crée vraiment des divergences. Les hommes se disent que c'est comme si les femmes veulent prendre leur place et qu'on finit par les négliger. Et donc ce soir, je pense que Dieu merci, nous avons sur le plateau ce soir un homme, donc il saura au mieux nous dire ce qu'il entend par autonomisation de la femme. Est-ce à dire que nous prenons l'égalité ou que nous sommes là pour vous détrôner? Selon vous, monsieur Aboti, vous êtes dans le secteur de l'éducation. Entendez-vous par autonomisation? Nous venons de célébrer encore le 8 mars. En tant qu'homme, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous inspire? Ok, merci. J'emboîte le pas aux deux dames qui ont déjà parlé de l'autonomisation. Elles ont bien expliqué le thème dans ses détails. Donc, je vais aborder le sens de l'égalité pour dire que quand moi je pense à l'autonomisation, je ne vois pas du coup l'égalité entre l'homme et la femme jusqu'à voir que la femme va dépasser les hommes. Les femmes vont dépasser les hommes. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est que c'est la capacité, donner la capacité à la femme, lui donner aussi une indépendance, un cadre où elle peut s'autodéterminer. Donc, elle peut décider voilà. de son corps, elle peut décider de ses projets. Et quand elle le fait, cela n'est pas en contradiction avec ses rôles dans la société. Donc, ça ne menace pas la position de l'homme, ça ne menace pas la société au fait. Mais c'est que quand la femme est épanouie, la société en tout entière, je crois que la société est épanouie. Puisque nous tous, nous avons, dans notre milieu, nous avons les femmes. Nous sommes nés d'une femme, nous avons nos sœurs et autour de nous, nous travaillons avec les dames, avec les femmes. Et à l'école, moi, je suis enseignant de français, il y a les filles, il y a les garçons. Donc, dans cette société, s'il y a une couche que nous avons déjà stéréotypée comme vulnérable, et que nous continuons à envoyer cette couche-là vers le fond sans l'aider à émerger, je ne crois pas que cette société peut être stable et s'épanouir. Donc, pour moi, l'autonomisation, c'est un processus. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout. C'est un processus dans lequel nous sommes en train de travailler et nous devons travailler pour que nos filles, nos femmes soient épanouies, qu'elles aient la capacité financière. Sur le plan financier, il faut qu'il y ait de la capacité. Sur le plan intellectuel aussi, sur le plan moral aussi, sur le plan psychologique aussi, qu'elle soit un peu libérée de certaines normes que la société a déjà figées, qui fait qu'elles ne se sentent pas libres de s'exprimer ou bien de pouvoir ressortir la potentialité, le talent qu'elles ont. Donc, c'est dans tout ce sens-là que je vois. Donc, ça ne menace pas la position de l'homme, ça ne menace pas la position de nous les hommes. C'est comme ça que moi, je vois ça. Tout à fait, merci beaucoup, notre cher enseignant, pour cette précision. Oui, et tous les hommes sont nés égaux et jouissent tous des mêmes droits. Et ce sont nos propres institutions et droits qui l'ont institué, qui l'ont érigé. Et donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va vouloir mettre une couche en marge de la société pour la limiter dans l'accès de ces mêmes droits que nous tous, pour lesquels nous tous nous avons voté. Merci pour cette précision que vous aviez apportée en tant qu'homme, mais pouvez-nous aussi continuer dans le même sens pour nous dire à peu près où nous sommes par rapport à l'avancée des droits des femmes aujourd'hui? Êtes-vous un peu au courant de l'avancée des droits des femmes aujourd'hui? Quels en sont les objectifs que l'ONU puisse pour nous en tant que femmes, je voudrais que ça vienne de vous, l'homme sur le plateau, pour que vous puissiez confirmer que réellement vous êtes au courant. Bien, oui. Je peux dire que je ne suis pas parfaitement au courant à 100% de ces avancées, mais en tant qu'observateur, je vois que sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Déjà, on peut partir de la base de la discrimination basée sur le genre et beaucoup de sensibilisations ont été faites, des ONG se sont mis là-dedans et l'ONU aussi, avec l'ONU Femmes, il y a eu beaucoup d'avancées sur ce domaine-là où aujourd'hui, on parle de l'égalité de genre et j'ai assisté à des sensibilisations où nous avons pu dire aux parents qu'à la maison, les garçons peuvent aussi faire le travail des filles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail qui est spécifiquement fait pour les filles. Et pendant ce temps, la fille n'étudie pas, elle ne peut pas faire ses études, elle ne peut pas lire ses leçons, mais le garçon a la liberté de le faire. Mais le garçon aussi peut aider. Donc déjà, je crois que ça entre dans nos cultures, dans nos mentalités déjà. Donc ça, c'est une avancée. Il y a aussi le problème d'emploi, de précarité ou de salaire, de mauvaise rémunération, des rémunérations qui ne sont pas équitables parce que telle est dame ou parce que si je la prends, il faut peut-être les congés de maternité, ça ne va pas booster mon entreprise. Je crois que ça aussi, les ONG qui sont en charge et ONU Femmes ont eu à tacler cette situation et je crois que sur le terrain, en observant d'une manière globale et puis en prenant le contexte togolais, en voyant les femmes qui sont dans les sphères de décision aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées. Même s'il y a encore à faire, je crois que sur ce point, d'après ce que je connais, il y a quelques avancées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Aboti. Je vais me tourner vers Madame Kifayath. Je ne sais pas si, en tant que femme, vous êtes au courant des avancées, des décisions en cours en notre faveur en tant que femme, n'est-ce pas? Vous pouvez nous les faire connaître et puis continuer dans le même sens pour nous faire connaître les difficultés, les freins, les choses qui continuent par nous freiner, qui continuent par constituer un frein pour notre ascension vers l'autonomisation. Madame Kifayath, c'est là? Oui, je suis Jaili et j'aimerais dire que donc Monsieur Maoulom a touché plusieurs aspects de la question. Maintenant, par rapport à nous autres femmes, je dirais qu'essentiellement, en termes de difficultés, c'est le fait que nous devons savoir qu'on ne viendra pas nous remettre l'autonomisation comme sur un plateau d'argent et que le travail viendra de nous tous. Et les organisations qui font le travail là, au Togo par exemple, il y a le GF2D, il y a également les organisations de femmes, il y a ONEP également qui accompagne les femmes et tout. Arrive à faire des sensibilisations régulièrement, arrive à faire des projets pour amener les femmes à réclamer, je dirais, beaucoup plus, à être conscientes et éveillées sur les droits qu'elles peuvent réclamer. Et non, ce que j'admire également dans notre écosystème togolais, de plus en plus d'organisations de jeunes filles, quand je parle de jeunes filles, effectivement, les jeunes femmes adultes s'organisent pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir être à l'écoute des autres quand il s'agit essentiellement des violations des droits, des violences faites aux femmes surtout. J'aimerais citer les organisations, il y a les jeunes femmes, par exemple, il y a Floriane Akwete, il y a Elsa Mbinamba, il y a les Rihanna Touré, également de l'autre côté, Mika Fuyakwe et d'autres jeunes femmes qui font de belles actions que j'apprécie quand il s'agit des droits de la femme, surtout concernant les violences faites aux femmes. Maintenant, les chiffres par rapport à ces avancées-là, j'avoue que je ne les ai pas forcément. Via nos partenaires, pour ajouter des chiffres à cela, c'est un peu intéressant. En termes de difficultés, je dirais que tout changement est un processus. Tout changement est un processus. On ne devra pas se lasser de répéter ce qui ne va pas. Parce que il y a certains jours où les avancées sont notables et qu'on peut remarquer, qu'on peut louer ces jours-là. Mais il y a d'autres jours où on se dira qu'il y a régression, que les femmes au bureau n'ont pas forcément ces mêmes capacités. Bon, elles ont les mêmes capacités, mais elles ne sont pas payées pareil, même dans les grandes institutions. Donc, il y a certaines questions qui demeurent, mais qui sont à chaque fois touchées. Moi, je profite pour dire que ce sont ces questions-là, justement, que nous devons soulever lors de la journée internationale des droits de la femme, plutôt que de porter les campagnes. Ça, c'est un sujet qui ne finira pas. Donc, ce sont des sujets importants sur à diplôme égal, salaire égal, ce qui est intéressant, parce que si tu fais le même travail, il faut avoir le même salaire. Ce qui est également intéressant, c'est de pouvoir voir le mérite pour recruter une femme et non de dire qu'elle va tomber enceinte dans 3 mois et moi je ne veux pas. C'est vrai, il y a les entreprises qui doivent faire leur marge de bénéfices, mais c'est important de voir aussi le mérite et la capacité que la personne peut apporter à votre entreprise pour décider. C'est ça vraiment. Pour les avances, ça va et ça vient. Merci. Ça va et ça vient vraiment, mais on aimerait à ce que ça soit stable et surtout qu'on puisse progresser, surtout que la gente féminine a été vraiment marginalisée, mais les hommes permettaient, vous êtes d'accord avec nous, l'heure a sonné, je crois que vous serez des nôtres pour élargir les marges, pour rétrécir les marges, je vous l'ai dit. Bien sûr, nous allons tourner vers Madame, ma chère collègue qui est aussi sur le plateau pour nous faire connaître un peu son avis sur la question. Oui. Allô, Katirika est là? Hamdi est là? Oui, je suis là. Oui. Qu'en pensez-vous de ce que les autres ont dit? Pensez-vous que la lecture soit une approche de solution, qu'on pourrait placer la lecture, l'inscrire en toute première ligne de combat dans la défense des droits des femmes? D'entrée, je crois fermement que la base de toute chose est l'éducation. L'alphabétisation, savoir lire et écrire est primordial. Et donc, pour moi, celui qui dispose de la connaissance dispose le pouvoir. Et qui parle de lecture parle de connaissance. Donc, automatiquement, la lecture s'inscrit d'entrée, genre sans même penser 2 fois. La lecture s'inscrit d'entrée pour la défense des droits des femmes. Et parce que la lecture fait partie du processus d'apprentissage. Et cette dernière permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Et voilà, on ne peut pas parler de l'épanouissement, je vais le répéter, ou de la promotion des droits de femmes sans passer par la lecture. Déjà, avant que les femmes elles-mêmes soient conscientes, dans un premier temps, il faudrait que les femmes elles-mêmes soient conscientes de leur potentialité, qu'elles soient conscientes de leurs droits, qu'elles soient conscientes qu'elles ont des droits à faire respecter. Mais si elles ne savent pas lire ni écrire, elles ne peuvent même pas lire la charte des droits de l'homme mise en place par l'ONU. Donc, ça, c'est déjà un article. Donc, elles sont obligées d'apprendre à lire. Et je suis le genre de personne, certes, je défends les droits de la femme, mais ce n'est pas parce qu'on défend les droits de la femme, c'est parce qu'on fait la promotion de l'équité genre, qu'on va se permettre de mettre certaines femmes, même si elles ne sont pas compétentes. Donc moi, j'aimerais bien que, si par exemple on est dans une salle, on a besoin d'une femme présidente et que la femme n'a pas les compétences revenues, je suis désolée, mais on est obligé de prendre les gens. Ce n'est pas parce qu'elle est juste une femme qu'on va la prendre, mais il faudrait que ce soit basé sur ses compétences, sur les connaissances, sur son leadership, sur les potentialités qu'elle a. Et il ne faudrait pas juste que le choix se porte sur parce qu'elle est du sexe féminin. Non, donc c'est primordial et c'est obligatoire que les femmes savent lire et écrire. Et donc, évidemment, elle rentre en première ligne dans le combat contre les discriminations liées aux gens, dans le combat pour les droits de la femme. Tout à fait. Tout à fait. Merci bien, parce qu'aujourd'hui, les femmes font face à de nombreux défis. tellement qu'on se demande où sont les droits, où sont les chartes, et elles-mêmes se cachent même, elles hésitent à venir devant pour en parler. Ah, parce que pour en parler, mais il faut aussi faire usage des mots pour se faire entendre par ces supérieurs-là. Et donc, l'analphabétisme devient encore un gros problème pour nous les femmes. Et quand nous prenons le taux d'alphabétisme en Afrique, c'est encore les femmes qui ramassent la majeure partie. Bon, donc, vous imaginez, le défi est énorme. Monsieur Aboti, s'il vous plaît, dites-nous, par rapport à la lecture, pensez-vous que si nous engageons réellement dans cette course de l'alphabétisation des femmes, que si nous, les femmes, nous arrivons à être réellement capables de lire, d'écrire, nous puissions quand même arriver à une autonomisation, que nous puissions être capables de nous prendre en charge, parce que dit-on souvent, mais les grands leaders sont les grands lecteurs. Quelle est cette leader femme que nous voulons pour l'avenir si elle ne sait pas lire? Monsieur Aboti. Effectivement, votre question, elle est rhétorique, il y a déjà la réponse. Merci. Quand j'étais encore tout petit, je crois qu'il y avait les grands frères qui allaient à l'université, à l'époque c'était UB, et qui disaient que quand ils vont se marier, ils ne vont pas épouser les femmes qui savent lire. Il y a quelque chose qui se cachait derrière cette parole. Parce qu'une femme qui sait lire, quand il va faire des choses, il va faire certaines choses, la femme pourra parler, pourra argumenter, pourra réfléchir, raisonner, et il se sent menacé, il veut être le chef tout puissant. Donc, c'est dans cet ordre d'idée qu'il parlait, les grands frères parlaient. Maintenant, pour nous, notre génération, on s'est rendu compte que lorsque vous avez une épouse qui est analphabète, c'est très dangereux et cette ignorance va vous coûter plus cher. S'occuper de la maison, prendre soin des enfants, tout ça aujourd'hui, si on ne sait pas lire, on ne sait pas déchiffrer les mots, on aura beaucoup de difficultés. Vous allez peut-être apporter un produit à la maison, peut-être, excusez-moi l'exemple, peut-être pour tuer les souris ou les rats, on va mettre poison dessus, elle ne va pas pouvoir lire, elle ne va pas pouvoir lire la notice. Vous achetez les médicaments, si vous n'êtes pas capable de pouvoir expliquer comment l'utiliser, si elle ne lit pas la notice, vous voyez déjà le danger qu'on peut courir. Déjà pour la maison, elle ne peut pas gérer, même si on dit que son rôle, c'est le rôle maternel. Si elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, il y a beaucoup de problèmes. Donc, je crois que les mentalités à notre niveau, nous les hommes, doivent déjà évoluer. Je crois que ça a déjà évolué sur beaucoup de plans. Donc, pour revenir à la question précisément, la lecture a un rôle très important. La lecture, c'est un moyen d'acquisition de savoir. C'est aussi un moyen de prise d'information. Et quand on s'informe, on se forme également. Parce que lorsque nous recevons une information, soit elle vient s'ajouter à ce qu'on connaît déjà et nous confirme, soit elle vient changer ce que nous avions déjà qui est erroné, soit elle apporte quelque chose de nouvelle ou de nouveau dans notre vie. Donc, s'il n'y a pas de lecture, si la femme ne sait pas lire, si elle ne sait pas écrire, si elle ne sait pas déchiffrer les lettres, je crois qu'on aura beaucoup de soucis. Donc, pour l'autonomisation de la femme, pour l'avenir que nous voulons pour les femmes aujourd'hui, ça doit commencer par cette base, cette fondation. Et c'est pourquoi je crois que toutes les ONG et le gouvernement, je sais pourquoi, on met l'accent sur l'éducation de la fille. Déjà, à la base, on voudrait que les filles soient scolarisées pour qu'au moins, elles puissent apprendre à lire. Donc, je crois que c'est sans détour. La lecture a sa place très importante. Merci. Merci bien, Monsieur Aboti. Madame Kifayath, est-ce que vous vous alignez sur ces paroles de Monsieur Aboti? Pensez-vous que la lecture soit vraiment l'arme là qu'il nous faut pour pouvoir avancer? Et personnellement, quel a été vraiment l'apport de la lecture dans votre vie personnelle? Est-ce que la lecture a été quelque part un maillon dans votre façonnement pour être la femme leader que vous êtes aujourd'hui, qui inspire plusieurs jeunes filles aujourd'hui? Pensez-vous que la lecture en soit quelque chose, quelque part? D'accord, merci beaucoup. Je m'aligne en grande partie sur les mots de M. Maoulom. Mais avant d'aller sur les questions que tu viens de me poser, j'aimerais rappeler que par rapport aux activités aussi, les difficultés, certaines difficultés que nous rencontrons, c'est des difficultés internes aux femmes, internes, c'est-à-dire que ça ne vient que d'elles-mêmes. Par exemple, j'étais la dernière fois au forum de l'économie sociale et solidaire. Il y avait une compétition de pitch. Et sur les 9 candidats, il n'y avait aucune femme, même si c'était ouvert à tout le monde, il n'y avait aucune femme. Donc, il y a déjà une question de prise d'initiative dont nous manquons. On peut nous donner tous les droits possibles, nous pouvons les connaître, mais quand on ne prend pas d'initiative, quand on n'a pas l'audace, quand on n'a pas la confiance en soi nécessaire, pour faire quelque chose. C'est qu'on peut dire que candidature féminine, on peut écrire cette phrase-là 1000 fois dans une offre d'emploi. Si candidature féminine ne vient pas, on ne va pas forcer. Donc, c'est déjà un obstacle ou bien une difficulté aux avancées sur les droits de la femme, des femmes, voilà. Maintenant, par rapport à la lecture dans ma vie personnelle, oui, la lecture m'a fait beaucoup de bien. Quoique, il faut savoir de quelle lecture nous parlons. On ne parle pas forcément de lecture des romans à l'eau de rose et tout ça. Et Hamdiyath disait qu'il y a toujours des avantages à lire. C'est vrai, tu vas apprendre de nouveaux mots et tout. Mais lire également façonne notre personnalité. Lire également façonne notre façon de voir le monde et notre comportement. Si tu passes ton temps à lire les sas, les harlequins, les adoras, tu ne vas pas faire ce que tu es forcément prédestiné à faire. Tu vas vivre ce que les sas et autres transmettent comme message. C'est pour ça que je dis, il y a livre et puis il y a livre. Maintenant, moi, personnellement, ce que le livre m'a fait, c'est que, bon, à un moment donné, il faut que je le dise, à un moment donné, il y avait des crises existentielle. Tu te poses des questions sur toi et tout, tu te demandes est-ce que je suis en train de vivre la mission pour laquelle je suis venue sur Terre. Il y a plusieurs questions existentielles qu'on se pose et j'avoue qu'en cette période-là, les livres étaient mes meilleurs amis qui m'ont permis de faire cette transition. Dans les livres que moi j'ai lus, j'ai trouvé les mentors dont j'avais besoin, des réponses à des questions que je me posais. Et j'avoue que les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui sont des projets qui ont été pensés à la suite de livres que j'ai lus, aussi bien la bibliothèque que l'espace Ma Liberté, qui est l'espace de coworking pour femmes. La bibliothèque, parce que je me suis dit, en lisant, j'ai lu quoi? Réfléchissez, devenez riche, de Napoleon Hill. J'ai lu également d'autres livres. J'ai lu des livres de bons auteurs comme Robert Kiyosaki et autres. Donc, voilà. Donc, après avoir lu cela, j'ai dit, attendez. Donc, mon école avait une bibliothèque. Là où j'ai fait le collège à la terminale, il y avait une bibliothèque, donc j'étais abonnée à la bibliothèque. Mais je n'avais pas accès à ce genre de livres. Donc, pourquoi ne pas avoir accès à ce genre de livres-là aux enfants? Il y a des choses qu'on ne ferait pas. Peut-être qu'il va pas. Pour intervenir, peut-être qu'il va demander le truc de sa hiérarchie. C'est juste un observateur. Oh, merci. Ok, d'accord, merci. Il y a des livres qu'on aurait lus peut-être plus tôt, qu'il y a des erreurs qu'on n'aurait pas fait. Il y a des livres ou bien des leçons qu'on peut apprendre de certains livres et qui nous auraient évité des crises d'adolescence ou bien d'autres choses. Et donc, j'ai décidé, c'est là que j'ai pris la décision d'ouvrir une bibliothèque et je me disais que j'allais acheter de très bons livres chaque fin du mois. Quand je perçois mon salaire, je vais acheter un livre, je garde et je vais créer une bibliothèque privée. Et donc, depuis 2016, l'idée est là et en 2018, maintenant, la bibliothèque a pris corps et nous sommes dessus jusqu'à présent. Du coup, le livre, oui, ça trace également, ça permet de tracer la trajectoire d'une vie. Les parents ne savent pas forcément ce dont l'enfant a besoin. Tous les parents, surtout sous nos cieux, ne font pas forcément cet effort de donner une éducation 360 degrés aux enfants, comme j'aime à le dire. Et les parents se disent, OK, on t'a envoyé à l'école, on te donne à manger, on te blanchit. Maintenant, de l'autre côté, il y a un grand manque, un grand vide que nous n'arrivons pas à combler forcément. Et avec ce monde qui devient un village global, c'est très difficile de s'en sortir, mais d'avoir les réponses à ces questions autour de nous. Et si tu ne sais pas chercher ou avoir ces réponses-là, tu tombes dans n'importe quoi et on te dit n'importe quoi. Or, toutes les situations, je pense, ont déjà été vécues. Quelqu'un a vécu ma situation, a déjà peut-être pris le courage de l'écrire. Donc, savoir où trouver les réponses est je crois que c'est la base de l'intelligence également. Savoir où trouver les bonnes réponses aux questions qu'on se pose est une forme d'intelligence, et la bibliothèque est le meilleur endroit où on peut en trouver. Les livres, les bons livres, je répète, les bons livres. Je ne parle pas forcément de Adoras. Adoras aussi a sa raison d'être. Harlequin a sa raison d'être. Je ne fais pas la publicité pour tout ce beau monde-là, mais les bons livres, voilà. C'est pour ça, justement, qu'à la bibliothèque Ekeli, nous faisons la sélection des livres. Nous vous accompagnons parce qu'on ne lit pas n'importe quoi dans n'importe quelle saison. Il y a des saisons où tu as besoin d'en savoir plus sur la finance. Et il y a des saisons où tu as besoin d'en savoir plus sur le leadership. Donc, après discussion avec nos abonnés, nous leur faisons des recommandations de livres. C'est comme ça que nous fonctionnons à la bibliothèque Ekeli. Donc, merci beaucoup. Voilà. Et là, ton micro est fermé, on ne t'entend pas. Oui, vraiment, bon vent à ton initiative. Tu en fais tellement. Et disons bon vent à toi et plein de choses encore pour l'avenir. Nous croyons en cela. Et je me tourne à présent vers Hamdiya, que j'appelle affectueusement Hamdi. Y a-t-il des stéréotypes en lien avec la littérature féminine? Quand nous parlons de femmes, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a certaines caractéristiques de la lecture de femmes, comme Kifayath venait de le dire? Est-ce qu'il y a des stéréotypes? Est-ce que la lecture féminine souffre de certains stéréotypes? Est-ce que nous-mêmes, nous carquons sur certaines caractéristiques de livres à lire, ce qui nous empêche de vraiment avoir de l'espace et cerner le contour des choses? Hamdi. Allô, Hamdi est là? Allô, oui, je suis là. Je ne suis pas très sûre d'avoir bien compris ta question, mais ce que je peux répondre, c'est quand j'aimerais savoir, voilà, quand vous parlez de stéréotypes liés à la littérature africaine et tout, c'est dans quel sens? Et je vais essayer de donner un peu ce que une réponse en fonction de ce que moi j'ai compris. Quand vous demandez, est-ce que, par exemple, il y a des difficultés liées à la lecture des femmes, je ne sais pas. Moi, je dirais les stéréotypes, peut-être s'il y en a, c'est depuis la maison. Je prends l'exemple de l'éducation des années 80, des années 60, je ne sais pas, où pendant longtemps, on croyait que bon, la femme, c'est le sexe faible, elle n'a pas le droit d'apprendre, d'étudier et tout. Elle est appelée à être la femme d'un monsieur, donc il faut qu'on la prépare à être une femme au foyer. Et à côté, il y a le petit garçon qui doit étudier, qui a tout à son pouvoir pour être quelqu'un dans la société. Si c'est en ce sens-là, je me dis, les stéréotypes, ils sont, parce que la fille, si par exemple, il y en a qui sont... qui aiment la lecture, qui veulent apprendre, elles sont obligées de se cacher. Et quand on les arrête ou quand on les attrape, c'est une punition pour elles. Là, dans ce cas, il y a des problèmes de stéréotypes. Mais si on parle de la jeune fille, là, au 21e siècle, maintenant, là, et genre, quand on parle des stéréotypes liés à ces filles en ce 21e siècle-là, je doute pas qu'il y en a encore, d'autant plus que même dans les programmes d'études, c'est obligatoire de lire. Et tout de suite, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui demandait, qui posait une question, qui faisait la remarque que à l'école primaire, il y a beaucoup de filles qui sont inscrites, mais chemin faisant, on se retrouve avec... on voit que les filles ne sont plus sur les bancs. Il y a la majorité qui abandonne les études et tout. J'ai essayé de... Voilà. À peu près, c'est là que je me dis, par exemple, c'est le premier obstacle à mon niveau ou de mon avis, c'est la grossesse précoce. La grossesse précoce et puis la pauvreté. Parce que arriver à un niveau, certains parents n'ont plus les moyens de payer la scolarité de leurs enfants. Et ça, c'est faute de la pauvreté. Du coup, l'enfant est obligé de ne plus suivre les cours. Il est obligé d'arrêter la fille. Elle est obligée d'arrêter les études pour aider sa maman, pour vendre ou pour faire quelques petites activités. Et l'aide que l'enfant va apporter à ses parents permettront maintenant de payer la scolarité de ses frères ou de ses petits frères. Et de même côté ou d'un autre côté, il y a également le problème lié au manque de l'éducation sexuelle. Jusqu'à ce qu'il y a, le sexe est toujours un tabou. Le sexe, les menstrues, tout est encore question de tabou. Du coup, les parents n'arrivent pas vraiment à asseoir leurs enfants pour leur parler de la sexualité, du changement de corps à l'adolescence, des premiers menstrues, comment gérer sa sexualité et tout et tout. Il y a tout un tabou. Voilà. Du moment où les filles n'ont pas les informations adéquates, du moment où les garçons ne savent pas qu'il faut se protéger, il faut utiliser un préservatif à partir de tel âge, il y a quelque chose qui sort de ton sexe et si tu ne fais pas attention, le liquide peut engrosser. Toi, une fille, à partir du moment où tu as tes menstrues, il faut savoir que tu es une femme en matière de procréer. Donc, il faut faire attention, il faut leur montrer comment calculer leur cycle menstruel et tout. Il y aura toujours des problèmes. Il y en a qui ne savent pas, ils font par amusement. Et tout d'un coup, elles se rendent compte qu'elles sont enceintes. Et nous sommes vivants en Afrique, par exemple. Et moi, dans ma région, ou surtout dans ma religion, tout de suite, quand une fille tombe enceinte, le premier réflexe des parents, c'est de la virer, de la renvoyer de la maison. Alors que ça ne devrait pas être la solution. Peut-être que la petite ne savait pas avant de faire. Maintenant, c'est aux parents de l'attraper, de lui parler, de lui expliquer que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Comme ci, comme ça. Mais nous, tout de suite, on renvoie la petite. Elle est laissée pour elle-même. Et dans ces conditions, c'est compliqué pour elle d'étudier parce qu'il y a déjà une charge mentale et déjà il y a la grossesse qui ne facilite pas les choses. Mais je me dis, si par exemple, un parent, c'est pas bien et c'est inacceptable, mais si le parent peut prendre sur soi et accepter maintenant la fille, l'écouter, il y a certaines filles qui peuvent continuer à étudier malgré qu'elles sont enceintes. C'est pas facile, mais il y en a qui se donnent vraiment à fond. Et à la fin, qui ont leur diplôme, elles en sortent gagnant-gagnant. Elles ont leur diplôme, elles ont leur bébé. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés. Donc, en résumé, disons que vraiment, c'est cela qui explique le bas niveau d'alphabétisation des femmes. Parce que certains s'arrêtent en cours, ils ne poursuivent pas le cursus, ils s'arrêtent en chemin. Voilà, merci beaucoup, Hamdi. Mais je me demande, Monsieur Aboti, que lisent les femmes donc? Est-ce que les femmes lisent? Lisent-elles et que lisent-elles? Parce que tout ce dont notre chère leader, Madame Hamdi, venait de parler, se trouve dans les livres, n'est-ce pas? Dans les livres scolaires, n'est-ce pas? Oui. Que lisent-elles donc, les femmes? Je crois que c'est une question difficile qui m'est posée. Il y a les femmes qui peuvent répondre sur ce qu'elles lisent. Mais quand même, je vais donner mon avis. Et tout d'abord, je vais féliciter Madame Kifayath pour son initiative de bibliothèque. Donc, elle est dans une action concrète et surtout, elle a parlé du choix du livre. Donc, ce n'est pas tout, elle a parlé de la bibliothèque rose, elle a parlé des tasses, des harlequins. Donc, elle a cité déjà, c'est un livre qui, d'après elle, ne peut pas favoriser l'éducation qui va tendre vers l'autonomisation de la femme. Et maintenant, dans mon expérience avec les élèves, puisque je suis au secondaire, deuxième cycle, de seconde en terminale, il m'arrive des fois, pendant le cours de voix, des élèves qui ont la tête baissée, en train de lire quelque chose. Et quand vous vérifiez ce que, surtout les filles, ce qu'elles lisent, ce n'est pas des livres au programme, ce n'est pas les livres, les romans que nous étudions, mais c'est les harlequins, c'est les sages, ceux qui parlent de l'amour, ceux qui idéalisent le monde, qui ne parlent pas de la réalité. Donc, ce qui fait qu'elles évoluent dans le monde des rêves, si je peux dire ainsi. Et elles s'éloignent petit à petit de la réalité, elles ne font pas face à la réalité. Et du jour au lendemain, quand elle va quitter les nuages pour la terre, c'est-à-dire pour la réalité, elle est déjà trop tard. Donc, je peux dire de cette expérience que quand nous prenons les filles, elles ne savent pas faire le choix. Donc, elles lisent, bon, il y a déjà, au niveau, on est dans la puberté, il y a les désirs de la puberté, ce qui nous attire. Donc, ce qui nous attire, ce sont ces livres-là que nous lisons. Donc, si elle est attirée par l'amour, comment chercher l'amour, comment parler avec un jeune homme, ainsi de suite, c'est ce qu'elle va lire. Elle n'a pas tort, ça fait connaître le monde. Mais il faut des initiatives, des associations, des gens comme Kifayath, et aussi des parents avisés pour pouvoir l'encadrer, pour dire oui, tu peux lire ceci, mais voici pour l'avenir, peut-être, si on l'encadre, elle peut lire. Maintenant, pour les grandes personnes, ceux qui sont déjà femmes, mamans, chacune doit lire selon ses aspirations. Ça, c'est très important. Donc, si je me rends compte que, après mes études, c'est le côté finance, c'est le côté leadership, c'est le côté gestion, il y a des trucs que je ne maîtrise pas, que je veux apprendre. Ce sont ces domaines-là dans lesquels on doit maintenant pousser nos recherches et lire. Donc, actuellement, ce que les femmes lisent, je ne peux pas exactement les dire, mais les lectures peuvent être choisies en fonction de nos aspirations, en fonction de ce que nous voulons faire. Mais malheureusement, pour un élève ou une élève, il y a des choses, il y a des livres que l'élève doit lire, mais en réalité, nos élèves ne lisent pas ces livres qu'on met à leur disposition. C'est que les parents ont acheté, elles les lisent pas, mais elles lisent autre chose. Donc, il faut encore plus d'encadrement sur ce point-là. Et choisir les livres, il y a des livres qu'il faut choisir, comme Kifayath a dit. C'est bien. Donc, j'ai aimé beaucoup son initiative. C'est ça. Pour plus se cultiver au lieu de s'adonner à des rêveries. Parce que c'est tout ça, le monde de la femme aussi. On est tellement émotionnel que, voilà, on rêve, on imagine. Mais au-delà de cela, on existe et on doit exister et influencer des vies, devenir des femmes leaders. Voilà. Donc, Madame Katirika, quels sont les livres que vous aimez lire? Vous pouvez nous faire connaître certains et nous disons que aujourd'hui aussi, vous venez de dire que la sexualité, on doit éduquer les enfants, les filles très tôt sur la sexualité, n'est-ce pas? Mais nous voyons que la sexualité est aujourd'hui libérale sur les réseaux sociaux et les filles en ont aussi assez librement. Qu'avez-vous à dire aux parents et en termes de lecture, si vous avez des livres à recommander, pourquoi pas? Vous avez la parole, Madame Katirika. Moi, dans un premier temps, ce que je dirais aux parents, c'est que depuis le bas âge, de mettre l'amour de la lecture en les enfants, si je peux le dire ainsi. Parce qu'il faudrait qu'ils donnent goût à la lecture aux enfants depuis le bas âge. Et maintenant, au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils vont essayer de choisir les livres, parce que c'est très important le choix de livres. Kifayath en a parlé de long à large. Et je me dis, il faudrait plus ou moins que ces livres même soient lus, peut-être par les parents, parce qu'il faut que les parents sachent ce qu'ils donnent à leurs enfants pour la lecture, et ainsi de suite. Maintenant, et tout ça, ça doit venir d'une famille instruite, parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles les parents ou surtout la maman qui a plus de temps avec les enfants n'est pas instruite. Donc, dans ces conditions, c'est un peu difficile. C'est pour ça que moi, je dis, les enfants ou les familles qui ont la chance d'être instruites ont le devoir obligatoirement de donner l'amour propre à, enfin l'amour de la lecture à leurs enfants depuis le bas âge et surtout de lire eux-mêmes avant de leur recommander les livres. Moi, quand j'étais enfant, j'avais pas beaucoup lu, mais j'ai pris goût à la lecture de par mon gré. Je me suis inscrite à la bibliothèque et chaque année, je le faisais. Tout récemment, en 2013, je pense, après mon bac, je me suis inscrite à l'Institut français du Togo où j'ai lu beaucoup de livres là-bas. Mais après, je me suis rendue compte que ces livres ne m'intéressaient pas. En tout cas, moi, chaque année, je tourne mes objectifs ou mes visions. Je change un peu mes visions. Du coup, je lis des livres en fonction de mes visions, en fonction de ce que je vais apprendre. Donc, quand les... Ce qui fait que dernièrement, je lis beaucoup de livres sur le féminisme, les droits de la femme. Et comme j'ai une association qui travaille spécialement pour mettre fin à la précarité menstruelle, je lis beaucoup de livres sur les règles, sur les tabous. Et il y a aussi des livres. Dans les recherches, j'ai trouvé un livre super intéressant, mais c'est en anglais, qui est un livre spécialement pour parler... c'est spécialement dédié aux parents. C'est How to Talk with Your Child About Sex. Et dans ce livre, yes, How to Talk with Your Child About Sex. Et dans le livre, tout a été dit, comment les parents vont aborder le sujet lié au sexe à leurs enfants, avec leurs enfants. Donc, comment organiser la réunion, comment parler du sexe avec eux et avec les filles, comment parler des menstrues et tous les changements qu'on remarque. Donc, je me dis, c'est seulement comme ça, voilà, c'est seulement comme ça qu'on pourra amener les enfants à lire. Moi, ici, je ne peux pas recommander ou je ne peux pas tout de suite faire toute une liste de livres aux parents à lire, mais ce que je dis moi dans mon niveau actuellement, je lis beaucoup de livres qui ont trait au leadership, je lis beaucoup John Maxwell, je lis beaucoup des livres qui parlent d'entrepreneurship parce que je suis entrepreneur également, je lis beaucoup de choses qui ont trait au féminisme, je l'ai déjà lu, j'ai lu des livres de Naomi Kila, Ngozi Adichie, j'ai lu Americana. J'ai lu beaucoup de livres concernant ça parce que de riches livres vraiment, Hamdi. Parce que je me dis, je ne peux pas prétendre défendre quelque chose si moi-même je ne maîtrise pas. Donc il va falloir que je maîtrise beaucoup de sujets, que je comprenne de long à large avant de m'engager dans quoi que ce soit. Donc je lis des livres tournés vers ça. Et il y a également, je lis des livres sur la pensée critique. Je lis également même des livres sur les reproches parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on leur fasse des reproches. Donc, je lis des livres sur comment faire le tri entre les livres, les reproches constructifs et les reproches qui sont là juste pour nous dénigrer. C'est ça, merci. Là, vous êtes vraiment un leader parce que les grands leaders lisent. Ça se voit, mais... Pouvez-vous nous dire ce qu'a apporté tous ces livres dans votre vie aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on vous voit sur la toile, vous faites beaucoup de choses, vous organisez même des conférences et autres. Ça inspire la jeunesse, ça inspire nos aînés, ils se disent, la relève est assurée. Qu'a apporté donc la littérature dans votre cursus de femme leader aujourd'hui? La lecture m'a apporté beaucoup. Dans un premier temps, la lecture m'a permis de découvrir beaucoup de choses et ça m'a permis de connaître plus ma personnalité. Aujourd'hui, dans mon entourage, les gens me demandent à quel point j'arrive à écouter mon corps. Et tout je dis non, tout ça, je l'ai appris en lisant. Et à chaque fois que moi je lis, je fais des exercices. Parce que très tôt, j'ai compris que l'éducation à l'école ou... ce qu'on nous montre à l'université était insuffisant. Donc, très tôt, j'avais commencé à faire des recherches, surtout dans mon domaine, parce que moi, à l'université, j'ai fait le journalisme et j'ai fait beaucoup de recherches dedans. Et ça m'avait beaucoup aidé. C'est pour cela, quand j'ai commencé par m'intéresser aux questions liées aux droits des femmes, je me suis dit, le meilleur enseignement ou la première chose qui puisse m'apprendre beaucoup de choses, c'est les livres. Et donc là, j'ai commencé par lire. J'ai lu beaucoup de livres en ce sens et en même temps au même moment que je lis, j'essaie de mettre ça en pratique. Parce que quand on lit, c'est bien, mais quand on fait la pratique, c'est-à-dire un peu, on a l'expérience, l'expérience, ça reste. Donc, aussitôt lu, je mets ça en pratique. Et je me dis que c'est comme ça que c'est parti, hein. Je lis, et vous l'avez dit, je suis plus ou moins présente. Je ne suis plus présente comme avant sur les réseaux sociaux, mais je suis quand même encore là. Et je me dis, c'est en fonction des connaissances que j'acquiers, en fonction de ce que je partage, ce que je fais en organisant des conférences, des meet-ups, des rencontres et tout, qui permettent aux gens de me faire confiance et également de m'inviter et qui me permettent d'être sélectionnée à certains concours et tout. Et la base de toute chose, je le dis, je le répète, c'est l'éducation. Quand j'ai commencé, je parle beaucoup, vous allez m'excuser. Quand j'ai commencé, quand j'ai créé mon association, en quelque sorte, c'était un peu comme une nouvelle chose pour moi. Parce que je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, en tout cas en 2019, nous étions la seule association qui travaillait pour mettre fin à la plaie menstruelle au Togo. Donc, pour fabriquer, nous fabriquons des serviettes hygiéniques réutilisables que nous offrons aux filles dans les milieux ruraux du pays. Donc, au début, j'avais besoin de quelqu'un vers qui me retourner. J'avais besoin des ressources, des personnes ressources, mais c'était compliqué. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait lire. Et c'est comme ça, j'ai commencé par lire des livres qui parlent des menstrues, du tabou autour du menstrue. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. J'ai appris à fabriquer des serviettes hygiéniques moi-même. J'ai fait les expériences, j'ai fait des essais, ça a marché. Je les ai testés et c'est bon. Et j'ai commencé par en fabriquer et à distribuer. C'est pour vous montrer à quel point le livre et l'auto-éducation m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, on peut, il faut lire, voilà. Lisons, c'est très important, lisons beaucoup et faisons attention surtout à ce que nous lisons. Le livre est vraiment très important. Moi, par exemple, je lis en fonction de mon domaine et en fonction de ce qui m'intéresse. Donc, si un parent, par exemple, doit recommander un livre à son enfant, il doit voir en son sens ce qui pour lui est normal, ce qui doit permettre à l'enfant d'apprendre. Donc, c'est en fonction de ça qu'il peut recommander des livres à l'enfant. Et d'autres personnes, personnes adultes qui veulent lire, par exemple, tu fais la sociologie, bah, lis des livres qui ont trait à la sociologie. Si pendant que tu fais la sociologie, tu trouves que la communication te plaît, bah, tu lis des livres concernant la communication avant maintenant de voir si tu es vraiment fasciné ou si tu aimes vraiment. À toi maintenant de décider si tu veux t'investir à fond en, par exemple, faisant un master ou une licence en communication. Mais ce qui est sûr, lisons, on ne peut qu'apprendre en lisant. Merci beaucoup. Lisons et on doit lire et lire davantage et progresser aussi dans les études parce que les sphères que nous visons en tant que lycéens en ont besoin, vraiment. Et donc, chers internautes, chers participants au webinaire de ce jour, nous sommes en train de parler de la place de la lecture dans l'autonomisation de la femme. Si nous voulons avoir des femmes leaders, des femmes qui sont capables de se prendre en charge, de s'affirmer, eh bien oui, nos internautes confirment que cela est possible par la lecture. Si en tant que femme, vous visez à être dans des sphères élevées, passez donc par la lecture. Si vous êtes femme et que vous voulez outiller vos enfants, les préparer à une vie de femme leader d'avenir, passez, pensez à la lecture. Et c'est ce dont nous parlons ce soir avec nos chers panélistes, des dames avec plusieurs casquettes et des responsables dans le secteur éducatif qui partagent avec nous ici les réalités, eh bien, les grands leaders lisent, comme disons-nous souvent, et donc les femmes ne lisent pas que les arlequins, les adoraces, non, les femmes se cultivent aussi. Chers hommes, oui, achetez, pourquoi pas, des livres à vos femmes pour les permettre de se cultiver, oui, connaître et plus, pourquoi pas, il le faut. Et donc, que nous continuions le débat, comme je vous l'avais dit, vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez les partager dans le chat. Je vois déjà des internautes qui font des apports vraiment très riches. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Il y a Monsieur Tchadjabor qui nous dit qu'il pense que le problème d'alphabétisation de la femme est réel dans notre pays. Et le paradoxe est qu'au primaire, dans la plupart des écoles publiques et privées, le pourcentage des élèves filles est souvent supérieur au pourcentage d'élèves hommes. Et la question est de savoir ce qui bloque réellement leur avancée. Est-ce le système éducatif qui a mal adapté? Est-ce la conception de la femme dans nos sociétés? Les normes sociales? Voilà, on s'interroge. Et oui, nous nous interrogeons et c'est d'ailleurs le pourquoi nous y sommes ce soir. Merci d'être des nôtres. Nous prenons en considération tous vos apports. Et notre internaute continue par dire que pour sa part, la connaissance des obstacles nous permettra de chercher les pistes de solutions pour lever la question d'alphabétisation de la femme. Merci beaucoup, Monsieur Tchadjabor, d'avoir accepté d'être les nôtres ce soir. Je vais me tourner donc vers Madame Kifayath et elle est dans le domaine de la littérature. Eh bien, les femmes ne lisent pas seulement, elles écrivent aussi, elles éditent aussi, elles ont aussi des initiatives dans le domaine de la littérature. Est-ce que vous pouvez nous faire connaître certaines de ces femmes que vous connaissez, qui sont dans le domaine? Qui est-elle? Sur le continent, au Togo, oui. Sur le continent, au Togo. Bon, je vais d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi. Je vais m'appesantir sur le Togo. Il y a les auteurs femmes que j'admire beaucoup au Togo qui font, je dirais, un travail qu'il faut louer. Il y a Madame Rita Amanda, qui a écrit, qui a sorti un nouveau livre la dernière fois, je n'ai pas le titre. Je vais chercher, je vous l'ai dit. Il y a aussi Graines de Pensée, la maison d'édition Graines de Pensée, qui est dirigée par deux femmes qui font un travail excellent pour la littérature féminine, mais c'est ouvert à tout le monde. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont éditées et qui éditent leurs livres là-bas. Et même la directrice, Madame Toto Écouée, a beaucoup contribué à la littérature, Mais en plus, il est important de noter que de plus en plus de jeunes femmes, et ce n'est pas à mettre en sourdine, ce n'est pas à cacher. Beaucoup de jeunes femmes écrivent. Il y a Nana Tekla qui écrit, et c'est important de le dire. Il y a également Lucia Komisa qui a sorti son livre la dernière fois. C'était très intéressant de voir des jeunes filles, je parle de jeunes filles de moins de 30 ans qui écrivent. Et ça veut dire que ce n'est pas perdu, ce n'est pas encore là. Les telenovelas ont une grande place dans nos vies chaque jour, mais ce n'est pas perdu parce qu'on voit que les femmes écrivent. Sinon, sur le continent, il y a effectivement, en fonction en fait du domaine dont on veut parler, plusieurs femmes qui excellent. Moi, mon coup de cœur récemment, c'est la Camerounaise Jaili Amadou. Elle a écrit des larmes de patience. Mounial, ça parle de comment, du mariage en pays peul et de comment les femmes subissent des violences en silence. Et c'est vraiment un sujet assez délicat, mais très intéressant, mais pas très souvent passé sous silence. Et lire ce livre m'a donné une autre façon de voir le monde. Maintenant, au-delà de cela, j'aime beaucoup les livres. Je suis ambassadrice Nouveaux Horizons et donc, les livres des éditions Nouveaux Horizons sont des livres écrits par des auteurs américains qui sont traduits en français et qui sont accessibles à des coûts subventionnés. Et donc, on peut facilement avoir ces livres-là. Tout ça est également disponible en format numérique sur Youth Tribe. Donc, ce sont des livres de femmes, d'hommes et de tout, mais c'est de quoi lire. Ça, ce sont des sources ou des endroits où vous aurez des livres à moindre coût. Maintenant, je ne sais pas si tu vas me poser la question aussi, mais je vais peut-être en profiter pour répondre. Comment faire lire les enfants? Comment amener les femmes à lire plus? Il faut d'abord... Oui, tu peux aller avec. Ok. Il faut d'abord qu'on se dise la vérité. Dans nos maisons, nous avons tous un poste télévision, bien un poste téléviseur. Et nous avons un budget pour faire abonnement canal par mois. Mais nous n'avons pas de coin bibliothèque. Je ne parle pas d'une grande bibliothèque, mais nous n'avons pas forcément une petite étagère de rangée où il y a des livres. Et nous n'avons pas de budget pour acheter des livres par mois. Par contre, canal, on trouve toujours l'argent pour faire l'abonnement. Donc, il y a quand même des casages entre ce que nous voulons faire et ce que nous faisons. C'est ça. Donc, la première chose que moi je dirais pour faire la promotion de la lecture, autant, et ça commence par la maison, c'est de pouvoir avoir un coin bibliothèque et de se dire, de se discipliner à acheter des livres. On ne demande pas d'acheter des livres qui coûtent trop cher. Il y a les librairies par terre et personne, pour un début, vous pouvez accéder à ces librairies par terre à moindre coût. Vous pouvez également passer au deuxième point avec les enfants et les filles, visiter les librairies pour qu'au moins ils ou elles voient les livres et soient intéressés. Laissez-les faire les choix. Même si vous n'allez pas tout acheter, que l'enfant se promène au moins dans la bibliothèque, dans la librairie partout, pour voir. Même l'odeur du nouveau livre donne envie de lire. Les grands même vont dire ça. Il y a ce second point. Le troisième point, c'est de visiter les bibliothèques. C'est important. Il y a des bibliothèques dans votre communauté. Visitez les bibliothèques. Faites un programme. Comme on va à la plage, faites un programme de 1 heure de bibliothèque par semaine ou par mois, en fonction de vos besoins. Et donc, après lecture, il faut faire un débat. C'est intéressant. Et en tant que parents, on ne doit pas, et surtout pour nous les femmes qui, dans une certaine mesure, avons la plus grande charge en termes d'éducation des enfants, on doit leur montrer par exemple. Ce n'est pas en criant « va lire » que l'enfant va lire, mais quel est l'exemple que tu donnes? L'enfant se comporte comme il nous voit nous comporter et non comme selon ce qu'on lui dit. Donc, on doit instaurer des temps de lecture. Toi-même, il faut que l'enfant te voit en train de lire ce qu'il a envie de lire. Et je parle par expérience. Ensuite, on passe tout le temps à faire des cadeaux aux enfants. Mais est-ce qu'on fait des cadeaux livres? Pensons également à faire des cadeaux livres aux enfants, à la Noël, pour l'anniversaire. Vous achetez les jouets, vous achetez tout ce que vous voulez, mais insérez de grâce un petit cadeau livre, un petit livre, comme ça, on ne peut pas le faire. C'est pareil, là, c'est pour tout le monde. Monsieur, tu veux offrir cadeau à ta femme, insère un livre. Tu prends le domaine même, tu peux lui passer un message sans qu'elle ne sache. Tu vois le domaine dans lequel tu veux qu'elle s'améliore, envoie-lui le livre. Et c'est vice versa pour les femmes aussi. Moi, je me rappelle, il y a une dans un cabinet, il y a une dame là-bas qui me créait beaucoup de misère. Je voulais qu'elle change de comportement. Je lui ai offert un livre pour le dos. C'est un sujet de... Non, je la trouvais amère. Donc, je lui ai offert un livre pour dire que tout le monde... Le livre, je crois que c'était trop méchant, livre sur les mandalas et mandalas. Et puis, on dit, le monde entier n'est pas contre toi, en fait, quoi. Je lui ai offert le livre. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, bien sûr, elle est partie. Mais elle a pris. Si elle lit, tant mieux, Dieu merci. Si elle ne lit pas, moi j'ai passé mon message, je te trouve amère. Le monde entier n'est pas comme toi, donc laisse-nous vivre. Voilà. C'est ça. Les livres font du bien. Comme tu l'as dit, ça transforme notre caractère, ça nous façonne. Vraiment, les livres nous font du bien. Mais nous allons nous tourner vers notre cher monsieur sur le panel, monsieur Aboti, en tant que éducateur, qu'est-ce que vous nous conseillerez? Les femmes s'y mettent déjà Elles font tout pour lire et lire plus. Qu'allons-nous faire à nos jeunes enfants, à nos filles, pour les amener à prendre goût? C'est surtout ça aussi, pour qu'ils aient le goût de la lecture. Que faire? C'est un réel défi pour les parents aujourd'hui. Oui. Donc la question, si je comprends bien, ce que j'ai bien compris, c'est comment amener nos jeunes filles à aimer la lecture, c'est ça? Ça, d'accord. Oui. OK. Bon, une partie a déjà été répondue. Les enfants apprennent par imitation. Oui. Et nous savons que nous-mêmes, généralement, les parents n'aiment pas beaucoup lire. Quand on rentre à la maison, c'est devant la télé. Ça fait que les enfants, dès le bas âge, il y a ça. Nous savons que dans les sociétés où on lit beaucoup, dans les sociétés occidentales où on lit beaucoup, dès le bas âge, on lit des histoires aux enfants quand ils sont au lit. Et les enfants sont déjà accoutumés aux livres. Donc, c'est qu'en grandissant, ils savent qu'il y a quelque chose, un trésor dans le livre. Maintenant, pour pouvoir avoir ces livres donnés aux enfants, il y a le coût financier aussi qu'on ne peut pas négliger. Par exemple, je vais donner un exemple sur moi-même. Mon tout petit premier bébé, je voulais lui donner des livres, mais je cherchais des livres de qualité où les couvertures sont rigides, carton dur, parce qu'il est bébé, il ne faut pas qu'on lui donne des livres fragiles qui va déchirer rapidement. Et maintenant, il a fallu chercher, il a fallu maintenant trouver, maintenant discuter le prix. Donc, il y a aussi cette étape-là. Si le parent ne sait pas que c'est dès le bas âge qu'on prépare l'enfant à la lecture, c'est pas quand l'enfant sera grand qu'on va lui demander de lire, et il va lire. Donc, c'est un travail qu'il faut faire dès le bas âge. Et maintenant, quand l'enfant voit cette atmosphère où le père prend, il ouvre un livre, il lit, les enfants aussi vont suivre. Il y a ça. Maintenant, pour les enfants qui sont déjà grands, jeunes aussi, il faut voir que je vais attaquer un peu le système scolaire, puisque je suis plus dans le système éducatif scolaire. La plupart des livres que nous avons au programme, jusqu'à un certain moment, n'étaient pas des livres à la mode, selon moi, même en tant qu'enseignant de français. Je trouvais les sujets pas vraiment sujets qui va attirer les enfants à lire. Les enfants ont juste les livres scolaires, mais en dehors des livres scolaires, il faut lire des choses qui parlent de leur vie, de leur jeunesse. À notre époque, on avait les planètes jeunes, planètes enfants, qui parlaient des autres jeunes. Tu voulais savoir comment on vit au Congo, comment on vit au Cameroun, comment on vit à Rabat. Ça te poussait aussi vers la lecture. Je ne sais pas si beaucoup de jeunes ont ça aussi aujourd'hui. Donc, ils ont juste les livres scolaires. Donc, ce qui fait que quand on leur demande de lire, c'est comme si on leur demandait encore d'étudier. Donc, il n'y a pas la différence, la frontière entre lire pour le plaisir, lire pour se cultiver, lire pour se découvrir, lire pour se connaître et lire pour étudier. Donc, il y a aussi ça que l'école, le système éducatif doit aussi mettre en place pour que les enfants puissent mettre cette différence-là. Et maintenant, adapter les livres au programme aussi aux besoins des enfants. Parce qu'il y a des programmes, au fait, comme vous enseignez ça, quand vous lisez, il y a des romans au programme, quand vous lisez, vous vous rendez compte que les enfants vraiment ne seront pas intéressés à ça. Mais aujourd'hui, avec le nouveau programme, je vois qu'il y a certains livres qu'on injecte dans le programme et qui touche les thèmes de la jeunesse, qui leur plaît, je pense, avec le temps. Donc, c'est un travail à long terme. Si déjà, nous, aujourd'hui, et ceux qui sont devant nous, les parents, ils commencent par habituer les enfants aux livres dès le bas âge. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça va entrer dans notre culture aussi. Et ceux qui sont déjà grands, avec des séminaires, des colloques, pendant les semaines culturelles, avec le Covid, il n'y a plus ça, mais ça va revenir. Ce ne sera pas seulement les temps de jouissance, de danse et autres, mais des petits séminaires sur l'objectif du livre, le but du livre et comment le livre peut, les bienfaits du livre. Je crois qu'avec tout ça, tous ces ingrédients pourront donner une bonne sauce qui pourront amener à terme vers la lecture d'une manière efficace. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup pour vos riches apports. Ça montre combien de fois la jeunesse est engagée à relever les défis et vous le faites aussi très bien d'ailleurs dans vos différents domaines à assurer que toutes les difficultés qui sont en lien avec votre secteur, vous puissiez travailler là-dessus. Vraiment, toutes nos félicitations pour vos initiatives. Et à petits pas, nous attendons vers Nous tirons vers la fin de ce webinaire de ce soir. Dans quelques minutes, nous allons clore le débat. Je tiens à remercier aussi l'équipe de Muna Kalati qui est derrière. Et je vous informe que vous pouvez aussi intervenir, oui, faire des apports. Oui, j'étais à une conférence en ligne, là, on m'a adressé la parole, c'est pour cela que j'ai dit que tu revenais. Bon, maintenant c'est bon. Je prie nos internautes d'éteindre les micros et de permettre bon, pour nous faciliter la fluidité des échanges. Merci. Monsieur Maoulom, toutes nos excuses. OK. Donc, je vous fais part aussi des partages dans le chat ici. Il y a... Bon, à mon niveau, je vous recommande aussi mon livre que j'ai co-écrit avec mon mari. C'est titré « En situation de crise, que faire ?» Ça vous fera du bien, ce livre. Et il y a aussi Madame Kifayath qui nous informe qu'il y a le littéraire. Chers internautes, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Boniface Dansou, s'il vous plaît. Merci de mettre sous silence votre micro pour faciliter la fluidité. Merci de nous avoir rejoints aussi. Et donc, il y a le littéraire aussi qui fait une braderie de livres le 9 avril à partir de 200 francs. Donc, vous pouvez vous en approprier, vous pouvez participer à l'événement pour en acheter aussi. Merci, c'était riche. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ce soir, nous n'avons pas de questions. Mais nous avons des apports et Madame Hamdiya qui confirme que réellement que la pauvreté aussi entrave les initiatives sur le continent par rapport à l'autonomisation de la femme. En plus de cela, le manque d'éducation sexuelle. Vraiment, je crois qu'il y a plusieurs apports. Il y a M. Tchadjobo qui félicite vivement les rôles que la société civile aussi joue, voilà, pour au moins faire monter les niveaux de lecture et de calcul, vraiment. Merci pour vos apports et nous remercions les États, nos États, la société civile, chers jeunes leaders aussi sur le continent. Vous faites beaucoup de choses dans le sens de l'autonomisation de la femme. Quand nous parlons d'autonomisation, nous parlons de la capacité d'exprimer ses compétences, ses talents. C'est juste le fait de rendre la femme capable. Et comme M. Aboti venait de le dire, ça n'a rien à voir de... Ce n'est pas l'idée de créer de la discrimination, ni de créer cette inégalité dans la société, mais c'est pour le bien de la société et les femmes sont en droit de vouloir aller dans le sens-là. Et donc, nos chers panélistes, ce soir, nous avons reçu pour vous Madame Kifayath Mourou, qui est la CEO de l'association Be a Blessing, et notre sœur Katirika Hamdiya aussi, qui est la présidente de l'association Empowered Lady. En plus de ces deux dames, nous avons eu Monsieur Aboti à nos côtés. Je leur laisse la place pour placer leur dernier mot. Monsieur Aboti, votre dernier mot. Votre dernier mot, Monsieur Aboti. Oui, merci. Je voudrais tout d'abord remercier Muna Kalati pour l'invitation et pour la confiance aussi. Et dire merci à Madame Hamdiyath et Kifayath. Pour leur intervention, j'ai aussi beaucoup appris. Ça m'a permis de changer encore d'idées, de rafraîchir les idées. Merci pour votre modération. Et en gros, je crois que comme nous sommes dans un processus, si nous joignons nos efforts ensemble et nous pouvons arriver à destination, il y a un livre que j'aimerais aussi recommander. C'est écrit par... Elle s'appelle Maître Kadaka Abou Nima Molga, une Togolaise. Elle a écrit le manuel de leadership pour la jeune fille. Et là, dans ce livre, elle parle de comment briser les normes sociales, d'abord des filles, parce qu'elles-mêmes sont liées, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas sortir vers le leadership. Et maintenant, les accompagner avec des exercices pratiques. Je crois que ça peut aussi aider beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes aussi. Mais en gros, je suis satisfait, reconnaissant pour les échanges et je crois que ça va nous aider et à bien avancer. Merci. Merci beaucoup, merci. Et il y a M. Fomekon Narcisse aussi, qui est le président adjoint de l'association Muna Kalati. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Muna Kalati, ça réfère au doigt en doigt là, qui veut dire la littérature jeunesse, le livre pour enfants, tout court. Voilà, et donc il nous a rejoints, il fait un partage aussi riche avec nous qui dit qu'il pense que le problème d'alphabétisation des femmes est réel dans notre pays et le paradoxe est qu'au primaire, dans la plupart des écoles publiques et privées, le pourcentage des élèves filles est souvent supérieur au pourcentage d'élèves hommes, voilà, et la question est de savoir ce qui bloque réellement leur avancée. Vraiment, Monsieur Narcisse nous a rejoint. Vous avez la parole, Monsieur Narcisse. Non, bonsoir à tous les panélistes et merci d'avoir accepté l'invitation. La question, elle n'est pas de moi, de Lali. C'est une question d'un de nos followers qu'il a posée dans le chat. Je voulais juste que peut-être vous reveniez là-dessus. C'est son questionnement qui pourrait enrichir. Elle n'est pas de moi, en fait. OK. Merci bien. Et vous nous rejoignez depuis le Cameroun. Est-ce que le système éducatif, est-ce le système éducatif qui est mal adapté? Est-ce la conception de la femme dans nos sociétés? Vraiment, je crois qu'on en a débattu ce soir. Nous comprenons que les responsabilités sont partagées, n'est-ce pas, Madame Kifayath? Allô, Madame Kifayath? Les responsabilités sont partagées, n'est-ce pas? Absolument, les responsabilités sont partagées entre, je dirais, la famille, l'école et les enfants eux-mêmes qui sont des acteurs également. La famille, parce que quel est le modèle que nous avons? Quelle est la vision que nous, parents, avons et que nous transmettons à nos enfants? Moi, dans mes aventures, j'ai rencontré des enfants qui ne voient pas plus que le CPD. Et genre, le CPD, c'est le plus grand diplôme qu'ils peuvent obtenir. Et s'ils n'arrivent pas à obtenir le CPD, ils ne sont pas gênés. Parce que le modèle qui est à côté d'eux, c'est de ça qu'ils vont s'inspirer. Donc, voilà. Les femmes vont devoir faire un peu plus. Et que dans les milieux ruraux, nous devons faire un effort pour définir ou bien aider les femmes à avoir un modèle, un meilleur modèle que nous répliquer, que nous voulons que la génération à venir puisse modeler ou bien regarder vers ce modèle-là et pouvoir s'en inspirer tout simplement. Donc, il y a cela, mais il y a aussi l'importance de... qu'est-ce que je veux réellement pour mes enfants? Il y a des parents qui, dans les milieux ruraux, ne paient même pas la scolarité des enfants. C'est ça en fait. C'est tout simplement. Vraiment. On ne peut pas dire que c'est la pauvreté uniquement. C'est pas la pauvreté des poches, mais c'est la pauvreté peut-être du cœur et de la tête. Ils ne voient pas loin. Du coup, ils ne trouvent pas l'intérêt de permettre aux enfants de maintenir les enfants à l'école. Filles comme garçons, il y a des garçons qui arrivent à s'en sortir parce que après l'école, il va faire du métayage. Après l'école, il fait des choses et d'autres. Donc, vous profitez pour la fin? Oui, j'en profite pour faire mon mot de la fin. Je dirais merci d'abord à Muna Kalati. Je dis merci et c'était un plaisir de partager ce panel avec les amis Maoulom et Hamdiyath. Je rappelle qu'il y a des initiatives pour le livre qui se font à Lomé et de plus en plus. Et on peut acheter des livres partout maintenant à des coûts intéressants, Et aussi les bibliothèques comme la nôtre qui proposent même une fonctionnalité mobile où vous pouvez être à votre bureau ou à la maison où vous êtes abonné selon le pack qu'il faut. Et nous rendons accessible le livre, nous amenons le livre vers le lecteur en fonction de ses besoins. Donc, nous sommes disponibles, les contacts, je ne sais pas si je peux les donner ici. Je laisse les contacts. Voilà. C'était un plaisir de d'échanger sur le sujet. Merci beaucoup, Kifayath, d'être des nôtres ce soir. Nous sommes honorés par votre présence. Ce n'était pas évident. Au revoir vos occupations. Ça montre combien de fois vous tenez vraiment à la génération future et que vous tenez à laisser vos empreintes pour la nouvelle génération. Vraiment, merci. Merci beaucoup, monsieur Aboti Maoulom, aussi pour votre disponibilité en tant qu'enseignant. Ce n'est pas si évident, mais vous avez pu trouver du temps pour nous. Merci. Madame Randia Kachika, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Je dirais dans un premier temps, merci beaucoup à Muna Kalati de nous avoir invités. Ce fut des échanges assez fructueux et intéressants. Mon mot de fin à l'endroit de la jeunesse est: lisez dès que vous avez l'opportunité de lire et apprenez de nouvelles choses dès que vous avez l'opportunité de le faire. Parce que, je le dis et je le répète, celui qui détient la connaissance détient le pouvoir. Donc, voilà. N'hésitez pas, on ne cesse jamais d'apprendre. Qu'on ait 4 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, il y a toujours des choses à apprendre. Donc, lisez, apprenez beaucoup de choses, découvrez de nouvelles choses. Et voilà. Merci beaucoup. Ce sera donc sur les mots de Madame Hamdiyath Katirika que nous allons clore notre séance de ce soir. Madame Hamdiyath, merci beaucoup pour votre disponibilité aussi à être des nôtres ce soir. Vous étiez très occupée toute la semaine. Merci d'avoir accepté d'être les nôtres. Ok, comme vous l'avez dit, celui qui détient la connaissance détient le pouvoir. Les femmes, vous cherchez à avoir le pouvoir, vous cherchez à être autonome, à exprimer vos compétences librement. Ah oui, c'est possible par la lecture. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de ce débat. C'était un réel plaisir pour moi et nous vous invitons pour le prochain MK du mois prochain. Ce sera toujours pour vous faire plaisir, mais n'hésitez pas de partager vos doléances, vos questions sur nos plateformes. Vous pouvez nous lire davantage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet munakalati.org. Vous aurez plus de détails en vous abonnant aussi à nos pages Facebook. Au nom de l'équipe de Muna Kalati, je remercie tous nos panélistes et tous les internautes d'avoir resté jusqu'à la fin. Oui, c'était vraiment un long moment. Merci. Et ainsi, on se dit donc à la prochaine dans l'espoir que vous avez pu garder de riches informations et que vous avez aussi été richement bénis ce soir. Merci et bonsoir chez vous. Bonsoir, bye bye. Bye. Oui, au revoir. C'était un plaisir. Et au revoir, merci.